Les Dominicains au Rwanda. Méditation du mercredi de la 9e semaine du temps ordinaire. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce mercredi de la 9e semaine du temps ordinaire, année liturgique B, nous entendons Jésus défendre la foi en la résurrection devant les Sadducéens. Ces derniers étaient farouchement opposés à l'idée de résurrection. Jésus s'appuie sur l'histoire de la rencontre de Moïse avec Dieu dans le buisson ardent pour leur montrer que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts et que la résurrection existe. Par ailleurs, Jésus profite de l'occasion pour dépasser les limites de l'imagination humaine à propos de la vie éternelle. Il enseigne qu'il y a une transformation radicale dans l'au-delà qui affectera tout, même le mariage. On ne prendra ni femme ni mari, car on sera comme les anges dans les cieux. Ainsi, lors du sacrement de mariage, les époux se promettent amour et fidélité jusqu'à la fin de leur vie sur terre. Ils ne s'engagent pas au-delà de la mort, car il n'y aura pas de manque à combler au ciel. Dieu sera tout en tous. Frères et sœurs, nous sommes invités non seulement à garder notre foi en la résurrection, mais aussi à entretenir notre relation avec le Dieu des vivants. Nous trouvons un bon modèle dans la prière confiante de Tobit, qui, au milieu de ses gémissements, disait à Dieu : « Tu es juste, Seigneur, toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins, miséricorde et vérité. C'est toi qui juges le monde, et maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi. » Apprenons à dire toujours oui à la vie et à la promouvoir autour de nous, en consolant ceux qui pleurent, en soutenant les faibles, en rassurant ceux qui doutent, etc. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous avoir unis avec le Dieu des vivants. Apprends-nous toujours à dire des paroles valorisantes et à poser des gestes qui transmettent la vie aux autres. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.